rampe d'observation, le capitaine des Lions marque le but le plus rapide de la compétition après seulement 35 secondes de jeu. Sur un caviar de Vincent Gomis, Dabo ne laisse aucune chance au gardien gambien Mbemba Diame. Les Lionceaux mettent le pied sur le ballon et contrôlent le jeu du milieu. Sur une balle arrêtée, une mauvaise relance de la défense gambienne, Mohamed Dabo, bousculé par Ismaïla, bénéficie d'un penalty. Il sera marqué par El Hadj Cissé à la 22e minute. Les jeunes scorpions tentent de revenir et y parviendront après un errement de la défense sénégalaise. Francis Gomez marque l'île. Librement et réduit le score. C'est le but gambien! C'est le but gambien! La deuxième période sera un match différent. Les Gambiens ont la possession, mais n'arrivent pas à scorer. Ndiaye était là pour empêcher à ce ballon de franchir la ligne de but encore. Le puissant avant-centre gambien qui s'infiltre. À la 86e, Youssou Mané marque le troisième but des Lionceaux sur un service de Sidi Bacham Ndiaye. Les jeunes Sénégalais scellent ainsi leur victoire et valident. Leur ticket pour les demi-finales, ils attendent leurs adversaires entre les joueurs libériens ou nigériens.